The game is started. Parfait. Voilà, c'est nickel comme ça. Alors, hein, l'adversaire fait un Komoku. Alors. Je souhaite des bonnes parties. C'est ça. Ok. D'accord. Donc, bon là, ce qu'il fait, c'est un double Komoku. Je sais qu'il y a des débuts de partie qui commencent souvent par blanc approche ici. Par exemple, à une des premières parties d'Hikaru no Go, je crois que ça commence comme ça. C'est un vieux Joseki, un vieux Fuseki, on va dire, de Shusaku. Il appelle ça le Komoku en tournant. C'est-à-dire que si je joue là, par exemple, noir peut faire le troisième Komoku. Et voilà. Alors l'idée, pourquoi blanc aime bien jouer ce coup-là et pas prendre un coin, c'est pour interdire à noir de prendre un Shimari. Mais on va pas partir dans des délires de fou comme ça. Je vais jouer un Komoku dans ce sens-là. Je pense que mon adversaire va choisir ce Shimari. Parce que c'est vraiment le Fuseki un des plus standards. Et après, blanc il peut approcher par là. C'est l'idée. C'est idée. Bon bah du coup il fait pas du tout ça. Il approche tout de suite mon Komoku. C'est une possibilité hein, franchement en début de partie là comme ça on peut faire un peu tout et n'importe quoi j'ai envie de dire parce que je pourrais même Tenuki moi-même approcher ici ou ici, répondre, pincer, étendre, enfin on peut faire un peu tout ce qu'on veut je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ici on va simplement choisir un Joseki standard. Ça fait longtemps que j'ai pas joué ça, je joue plus trop souvent ce Joseki, mais c'est vrai que c'est toujours un Joseki qui prend des points. On dit que ça prend à peu près 15 points, et l'adversaire il prend une sorte d'influence. C'est un peu l'idée. Et on récupère aussi une initiative, donc c'est pour ça qu'on trouve ça très gros, avec blanc. Et après ça me permet d'aller jouer un peu où je veux. Alors là, ici intuitivement... Intuitivement, je suis plutôt attiré par approcher celui-là. Alors pourquoi? Pas vraiment qu'on va dire de décision objective. Juste comme ça. Alors. Bah comme lui, il a joué celui-là, on va peut-être pas faire le même. On n'est pas obligé. Moi, j'aime bien aussi jouer celui-là. Surtout que j'ai déjà une pierre par là, c'est possible. Et il est pas du tout d'accord. Alors c'est bizarre parce que normalement on est censé voilà faire l'extension et je m'étends. Sauf que lui il ne fait pas du tout ça. Alors, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée parce que en plus si j'étends maintenant, enfin bon, là normalement la manière pour punir le noir c'est de jouer Q5 comme ça. Et Q5 et du coup après on récupère une influence et on écrase le coin de noir. Mais Ok. Ben merci. Pas de problème. Non, du coup, si jamais je joue là, il a même pas l'extension. Il a même pas l'extension 2. Donc ça promet d'être pas terrible pour lui, je pense. Bon, après, je le pousse un peu vers la pierre qui est le moins forte. C'est peut-être pas génial. Mais en même temps, si je joue là, c'est un peu trop sympa pour lui de laisser l'extension. Je pense que quand je vais jouer là, sa pierre est pas super. Il y a beaucoup de possibilités, je pense, dans cette situation. Je pense que ça, c'est possible malgré tout. Ça, c'est possible. Et on peut aussi jouer là tout de suite si on veut. Ouais, j'ai une préférence pour presser la pierre immédiatement. Ouais, c'est donc du coup Alou Toulou qui m'a passé ça. Super sympa. Ça m'a permis d'avoir un truc hyper joli, donc grand merci à lui. Alors, du coup, il choisit de jouer comme ça, c'est un peu étrange quand même, je trouve, mais bon. Du coup, je vais jouer là. On va attendre 2 secondes, j'ai mes allergies, il faut absolument que j'aille me moucher, je reviens.
Ouais, excusez-moi. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée en fait cet après-midi d'aller marcher dans les bois alors que je suis en pleine crise d'allergie. Ouais, c'est pas le meilleur. Bref. Alors, il entre tout de suite. Bon, c'est un peu étrange. Normalement, la réponse standard c'est plutôt quelque chose comme ça, mais on peut aussi jouer là. Il va reculer, je vais jouer là. Si jamais il joue ici. Je veux connecter, et là il aura deux choix, soit de connecter ici, soit de connecter ici, et du coup je récupère une influence en contrepartie. Est-ce que c'est possible de jouer là tout de suite? Je pense que oui, parce que si jamais il descend, ben, je vais le pousser, il va devoir se connecter par le bas, et en plus il pourra pas se connecter, il pourra se connecter avec cette pierre, mais il pourra pas se connecter ici. Et s'il monte, ben, je pourrais juste avancer, et ça connecte avec ma pierre. Donc ouais, j'aime bien ce choix dans cette situation. Oui, énormément. Et en plus, moi, je vais marcher dans les bois, tu vois, là où il y a plein de pollen de partout, tu vois. C'est une horreur. C'est une horreur. Alors. Alors ça. Ouais. Ça, c'est un peu compliqué comme move. C'est vrai que souvent, ça peut vous poser problème, j'imagine. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à lire. Par exemple, si blond monte. Je pense que la première chose qu'il faut lire, c'est Année de Noir, Blocage. Et ensuite, Noir, il peut sortir une sorte de Tesuji comme Toby. Si on pousse et que Noir il coupe, il peut faire Atari. Et ensuite, il pourra faire Atari ici, me capturer de pierre. Bon, je sais que c'est pas une séquence facile à lire. Puis vous pouvez même pas mettre sur pause pour regarder. Je vous propose en fait à ceux qui regardent de reposer la partie en même temps, à la limite sur votre plateau ou sur n'importe quel logiciel à côté si vous voulez voir. Donc du coup si je joue là et que mon adversaire joue là, ça sera plutôt impossible en fait de séparer totalement. En gros si je force la séquence, ça va être compliqué. Mais bon. Je sais pas trop quoi jouer moi-même du coup quoi. C'est vrai qu'on a presque envie de jouer la même chose que lui, mais je veux pas trop renforcer sa pierre contre ça. Pas con. C'est créer deux groupes très faibles en gros, c'est ça. Alors. Qu'est-ce qu'on joue? J'ai envie de jouer là. Toby. C'est un peu compliqué, tout ça, c'est chiant. Je pense que je vais simplement jouer là. Et quand il va connecter par en dessous, je vais peut-être juste faire un truc comme ça et le laisser connecter et après revenir vivre dans le coin. Enfin, revenir rajouter un coup dans le coin, je pense que c'est ce que je vais faire. Je privilégie vraiment les coups à l'extérieur plutôt que les coups à l'intérieur parce qu'en début de partie, c'est beaucoup plus utile de jouer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bah, parfait. Et il choisit de jouer ce coup tout de suite. Alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées parce qu'en fait, là, si je par contre, dans cette situation, si je pousse et que je coupe, après il peut faire Atari. Et c'est vrai que ça peut revenir à peu près au même. En fait, sinon, ça marchera pas si je pousse et que je coupe. Ça peut revenir à peu près à la même idée, mais par contre, si je joue là. Alors, c'est vrai qu'on a toujours envie de. On n'aime pas donner le nœud de bambou à l'adversaire. C'est pas une super bonne idée souvent, mais parce que si jamais je joue là et qu'il fait le nœud de bambou, je dois encore ajouter un coup à l'intérieur. Et c'est pas ce qui m'enchante du tout. Donc, quoi faire? Ouais, je peux pas pousser, couper. Je sais pas si c'est pour ceux qui voient en fait. Hein, si je pousse et que je coupe, il fait Atari. Je sors, ensuite il joue là. Et quand je joue là, il peut faire Atari et Atari. En gros. Du coup, je ne peux pas pousser couper. Et si je joue ici, il va juste faire notre bambou. Je dois rajouter encore un coup sur le bord. Et du coup, il gagne plusieurs coups à l'extérieur en synthé. Donc, c'est pas possible non plus. Alors, quitte à ce qu'il ait le nœud de bambou, je pense que je vais connecter de cette manière-là. S'il prend le nœud de bambou, maintenant je vais sortir par là. C'est l'idée. E5. Alors E5, 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 E5. Ah, ce truc-là vers le centre? Ouais. Ça dépend quand, en gros, quoi. Bon, là on bloque. C'est pas trop compliqué jusque-là. Là, c'est vrai que c'est un peu embêtant comme move, mais je pense que ça va parce que. Je peux bloquer encore une fois. Quand il va connecter là, il y a un problème de coupe.
C'est-à-dire que si jamais je coupe par exemple ici, il est obligé de jouer là, et si je coupe ici, il prend, et je peux connecter par en dessous, tout de suite, hein. Presque de manière immédiate. Mais on va peut-être pas le faire tout de suite. Parce que même s'il joue là et que je recule, il n'y aura pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que s'il coupe, Atari, et là, j'aurai peut-être un problème de coupe. C'est vrai que c'est un peu... C'est un poil gênant. Il joue des choses vraiment compliquées, je trouve, mais bon. Comment faire? En fait, il faut arriver à protéger cette coupe, mais j'ai pas envie de juste jouer là parce que c'est trop goté. Donc, on a envie de descendre. Mais il y a encore le problème de la coupe. De toute façon, ce problème de la coupe, il est réglé. Je peux le régler qu'en protégeant la coupe, mais c'est trop long. Si je descends, pour moi, il va être obligé quand même de prendre le nœud de bambou. Et ensuite, je pense que je peux sortir vers le centre ici. C'est plutôt une séquence objective, je crois. Et il est pas à 100% vivant après aussi, ouais. Allez, on va faire ça. Je pense qu'il y a plusieurs choix, encore une fois, ici. Bon, il choisit de bloquer, là. Ok, d'accord, ma foi, s'il veut. Bon, voilà, hein, là, vous voyez... En fait, en gros, il ne peut pas arriver à faire une base de vie trop facilement. Donc là, ce qui est pratique, c'est que maintenant, avec la descente, j'ai protégé la coupe. Parce que s'il coupe, je peux faire Atari. Atari, ça donne un chichot. Tout à l'heure, ça donnait pas du tout un chichot, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai que là, dans cette situation, est-ce que je peux pousser et couper tout de suite? Parce que si oui, bah dans ce cas-là, il va avoir de gros problèmes pour la base de vie là. Et je pense que c'est réellement possible, hein. Après, est-ce que je vais moi-même avoir des problèmes sur mon groupe ici? Ah, c'est... Blanc, noir, blanc. Si noir, il sort. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Mais ça donne tellement envie de pousse-coupe. Bonsoir, tiramisu. Alors, pousse, coupe. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il monte. Je pense pas que ça menace fortement ma pierre. Je pourrais toujours sortir et il n'y a pas de problème en fait, quoi. C'est ça, c'est que même s'il sort la pierre ici, il pourra pas menacer. Pourra pas la menacer en fait. Ok. Je pense que c'est bon. Je sais, bon après c'est vraiment c'est vraiment un coup sévère, hein. C'est-à-dire que là je pousse et que je coupe tout de suite, donc ça peut ne pas fonctionner, on peut toujours se tromper. Alors, bon là maintenant c'est le moment un peu de vérité. Est-ce qu'il peut vivre sur place? Je pense que, est-ce que si simplement je joue là ça fonctionne ou pas? Ouais, ça peut fonctionner de simplement jouer là. Surtout qu'après j'aurai ce synthé. En fait, si je joue là, il fait Atari, je connecte. Si jamais il joue là, eh ben, je peux jouer dedans. Et il n'a pas du tout de yeux. Ça me semble une bonne option. C'est méchant. J'avoue que là, je suis pas très gentil avec lui. Je suis pas très gentil du tout. Vous voyez, hein, c'est. En gros, je joue dedans. En fait, c'est. Mais c'est plutôt possible en fait comme séquence. Hein. C'est pas non plus. C'est sévère, mais c'est pas genre. Je fais exprès pour l'éclater, en gros, quoi. C'est. Je pense que ça fonctionne que quand on lit bien et quand on a bien vérifié la séquence, et ben, on peut la lancer, quoi. C'est. On dit souvent que tuer c'est mal, mais c'est parce que beaucoup de joueurs. Emploie la stratégie tuer sans mais sans qu'on va dire sans possibilité de retrait en gros. Oui, bah ouais, bah ouais, tout à fait. Alors bon, ben là, on va prendre la bonne forme. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il ne peut pas approcher ici. Ça pourrait faire peur, hein, mais il ne peut pas approcher parce qu'il est en Dame Izumari. Donc, s'il approche, je peux capturer là tout de suite. Et si je joue là, bon, ben ça reste. Peut-être je vais même jouer ici ou pas. Alors là, il joue là. Ok, je vais prendre la forme.
C'est un peu tendu, c'est vrai, mais comme je joue des bonnes formes, il n'y a pas de raison que j'ai du mal à m'en sortir. Pas de raison d'avoir du mal. Alors, je pense qu'ici il faut pousser un coup de plus, parce que comme il est faible là, il faut viser ses propres faiblesses. Ensuite, est-ce que je peux venir simplement jouer là maintenant? Non, je vais encore pousser parce que comme il est en dame et sous-marin encore sur ses pierres, ça me renforce, ça m'ajoute des libertés. Maintenant, il a plus trop de liberté ici. Hein. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux faire Atari, il joue là, je peux jouer ici. Et là, il a très très peu de liberté. Et donc moi, j'en ai terriblement beaucoup. Et du coup, c'est un peu la fin. Alors, bah là, du coup, ça passe. Ouais, c'est ça. Du coup, il est mort maintenant. Alors, localement, mais même en fait en gros il ne pourra rien faire je pense parce que j'ai une coupe ici c'est vrai mais là j'ai dit que j'avais le chichot donc ça c'est bon c'est vérifié. Même s'il fait la tarée là je monte et quand je monte ça menace de capturer ces deux pierres ici vous voyez. Et du coup il n'y a vraiment pas de problème pour blanc et au pire des cas je fais la tarée ici je connecte et il a combien? Il a une, non ça c'est la tarée donc il a un, il prend donc il a une, deux, trois libertés. Ça il a trois libertés quand je joue ici et ici. Donc trois libertés c'est pas beaucoup. C'est ça, c'est ça. Non mais là j'ai pas. Oui pour leur enlever le i. En fait en gros j'ai fait un overlay avec le i. J'ai demandé ça donc du coup à Loutoulou pour ta game. En fait je lui ai demandé un overlay avec le i en plus. Comme ça vous voyez les coordonnées pile poil les mêmes que ce que moi je vois. Comme ça c'est pratique si vous voulez donner des coordonnées. Voilà c'est les mêmes. Pas de problème. Alors maintenant. Donc là, ce qu'il lui reste, il lui reste une partie du coin. Là, il a développé un bord. Là, bon, comme on a capturé le groupe, ça fait donc on va compter. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 pierres capturées, ça fait 24 points. 24 plus, donc là, on a quelques points ici quand même. Donc on va dire 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ça fait à peu près 35 points. Voilà, donc ce qui est énorme hein, en soi. Qui est très très gros. Là j'ai très envie de faire un kema. En gros, c'est vrai que là ça donne une partie un petit peu de position. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait une partie. C'est pas tout à fait une partie. Comment dire standard. Parce qu'il est mort et du coup il y a beaucoup de pierres au centre maintenant. Du coup c'est vraiment une question de position. C'est-à-dire que j'ai bien envie de faire le kema parce que ça menace de refaire le kema par derrière et d'attaquer. Même s'il joue des coups pour prendre des points ici, par exemple, ce genre de truc ou un kema ici, eh ben ça va pas lui suffire. Bon, ben là, il joue la coupe alors qu'elle ne fonctionne pas vraiment. Il a même un peu mal lui là. Il coupe sans trop réfléchir. En plus, genre, je joue là et il joue là tout de suite. Il a. Ah, d'accord. Mais c'est quoi son idée en fait? Alors là, je suis pas sûr de comprendre. Je prends la pierre et après, même s'il descend, je peux encore descendre, donc il n'y a pas vraiment de problème. Et comme je dis, en fait, quand vous avez l'occasion de prendre la pierre ou de faire autre chose, il faut toujours réfléchir fortement à prendre les pierres. Comme ça, vous les retirez du plateau et elles vous embêtent plus, elles ne peuvent plus avoir d'adji. J'aurais pu faire autre chose, vous savez, au lieu de prendre la pierre, j'aurais pu tourner ici, ça marchait. Ah! What? Ouais bon en même temps c'est logique. C'est logique, c'est logique. Bon, on va peut-être pas refaire une partie contre lui quand même. Voilà. Bon mais il a abandonné. On est à combien de temps là du coup? D'accord, c'est pas peine 26 minutes. Magnifique. Bon on va s'en refaire une hein, de toute manière. Vu que ça a pris pas très longtemps. Ok. Ah ouais, bien sûr, c'est ça. Une autre. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à une autre? Est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit? Oui, c'était rapide là du. Est-ce que vous avez des questions sur la partie? Genre pourquoi t'as joué comme ça? Ou qu'est-ce que t'aurais fait s'il avait joué comme ça? Et ainsi de suite. Si personne n'a de questions, on passe à une autre. Sinon, je peux répondre à deux, trois trucs si vous voulez. C'est bon pour tout le monde? Passe à une autre?
pourquoi il est si méchant? C'est une très très mauvaise question. Parce que c'est un peu ça. Est-ce que je pourrais gagner à partir de noir maintenant? Ça me semble vraiment difficile. Si je joue contre un adversaire de mon niveau, à mon avis, c'est déjà fini. Ouais, je pense que c'est déjà terminé si je joue contre un adversaire de mon niveau. Si je joue contre un adversaire qui est peut-être 3-4 niveaux d'en dessous de moi, peut-être, et encore ça semble délicat. Faut vraiment un plus gros écart de niveau pour avoir une chance, je pense, à ce moment-là. Ok. Allez, une autre. Autre match. Ah, si, si, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, mais le truc, c'est que comme on se connaît, du coup, faut jouer en handicap, du coup, c'est un peu plus compliqué, ça donne des parties plus sérieuses. Ou alors, n'importe qui peut jouer contre moi sans handicap, et après, on commente la partie, quoi. On peut faire comme ça aussi. Oui, c'est sûr. Ça va être la guerre, c'est un peu ça. Alors. The game is started. Allez, c'est parti. Hop là, comme ça. Bon, bah, je suis noir. Alors, bonne partie. Alors, qu'est-ce qui se passe là? En même temps, quand tu reviens. Ouais, c'est parce que c'était majoritairement des parties pour la chaîne en fait quoi. Donc, du coup c'est pour ça, c'est normal que je gagne, hein. Je fais attention. J'avais joué quelques parties aussi pour faire monter le compte plus vite. Bref. Bon, donc dans cette situation, eh ben, moi c'est un truc que je joue beaucoup en ce moment, j'essaye de jouer ça. Alors le but c'est que si jamais blanc il joue là, je vais jouer par exemple un coup comme C9, voilà. Comme C9. Et donc ça, si vous connaissez pas, ça s'appelle Fuseki Mini Chinois. À ne pas confondre avec le Fuseki chinois. Ouais. Et c'est une formation souvent qui est vraiment axée sur le moyo. Ok. Alors, du coup, en fait, c'est un Fuseki assez nouveau pour moi dans le sens où c'est un des seuls Fuseki que j'ai jamais joué vraiment très intensivement depuis que je joue au Go. Et c'est donc ça fait partie des Fuseki que je connais le moins. Voilà. Donc voilà. Après, je connais pas tous les trucs comme quoi Jarkan Blanc joue là, qu'est-ce qu'il faut faire, machin et tout, mais donc du coup, je vais me baser plus sur mon expérience et sur mon instinct que sur des séquences que je connais, tout ça. Bon, par exemple, ici, ce que je peux penser, c'est que je pense que l'idée du Fuseki Mini Chinois, c'est de développer un grand moyo. Alors là, mon intuition me dit de jouer ici. Pourquoi? Parce que je pense que si jamais j'essaie de venir jouer dans le coin, par exemple avec ce coup-là, ou ce coup-là, où j'essaie de sortir, et ben ça va être à l'avantage de blanc parce que blanc il va pousser dans la direction d'un combat. Tout ça pour dévaster la totalité du développement que je pourrais obtenir avec ce genre de Fuseki. Vous comprenez? Ok. Donc ici je pense que dans cette situation, j'ai très envie de jouer comme ça. L'idée c'est de développer voilà, un grand potentiel dans cette zone. Voilà. Bon, ben, vous comprenez, hein, du coup, comme ça l'impressionne beaucoup, il n'a pas du tout envie de continuer la séquence en bas à gauche, et du coup, il vient immédiatement approcher ici. Ce qui est logique. Ce qui est logique en fait, puisque il veut pas perdre du temps à rajouter un coup, et moi j'ajouterais encore. S'il avait joué par exemple ici, j'aurais rajouté un prochain coup en fait sur le Hoshi, et du coup, ça aurait fait une formation hyper volumineuse. Et pas du tout agréable pour lui, je pense. Alors là, il y a plusieurs choix. Je pense que on peut jouer Tobi. Je pense qu'on peut jouer Tobi Tsuke. Je pense qu'on peut pincer bas et proche. Je pense qu'on peut pincer haut et proche. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix ici. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choix. Moi, pour tout vous dire, j'ai très envie de pincer bas et proche. C'est vraiment la chose la plus standard qu'on peut faire. Normalement, blanc, normalement de base, il entre au Sansan. Mais dans cette situation, apparemment, il n'a pas trop envie d'entrer au Sansan. Mais du coup, comme j'ai une pierre de renfort ici,
Et ben ça donne pas une formation hyper chouette pour lui, je pense. Bon, ok, on protège. En haut à gauche et pas un Oshi pour développer le centre. Pourquoi jouer un Komoku? Le Komoku en haut à gauche. Et ben du coup c'est pourquoi je joue le Komoku en haut à gauche? Justement c'est pour faire la formation du Fuseki mini chinois. Donc je joue là, il joue ici. Et ensuite j'étends en C9. Et la formation ici elle se nomme le Fuseki mini chinois. Et c'est une formation très standard au jeu de Go. Je n'en connais pas toutes les finesses, mais du coup c'est pour ça que je le joue, c'est pour en apprendre un peu plus quoi. Voilà. Ok, donc du coup, il pince, et là tout de suite ça donne des parties. Voilà. Ça donne des parties dans lesquelles je suis pas du tout très fort, je pense. C'est-à-dire que quand toutes les pierres viennent vers le centre en Tobi comme ça, généralement c'est toujours un peu chiant pour moi, je trouve. Bon. Enfin bref, on va voir. Hein. dans cette situation, je pense qu'il n'y a pas trop à chercher, il faut quand même faire un Tobi, hein. C'est plutôt le coup normal, c'est-à-dire on enlève la base de vie de ces trois pierres, vous voyez. Alors c'est Adji, hein. Pas Adi, d'accord? Le D il est à côté du J, non même pas. Alors ce n'est pas un misclic de touche, de clavier. Adji qui est chien, pas Adi. Alors du coup il monte. Je pense que si je pourrais ajouter un coup de plus ici, je pense que c'est tout à fait possible. Parce que ça consolide à mort en fait la zone là et ça fait donc beaucoup de points. Mais en même temps, c'est vrai que ça m'effraie un peu si par exemple je joue là qui fait un Kema ou quelque chose comme ça. Et du coup ça met beaucoup de pression sur mes pierres ici. Et c'est pour ça que dans cette situation je pense quand même connaître 2-3 coups. Par exemple on peut jouer là. On peut jouer là. C'est-à-dire que ça c'est une formation assez solide. Ça peut menacer par exemple de faire un Kema, de pousser pour l'écraser. Ou alors il y a ce coup-là, c'est tout de suite un Boshi pour essayer de fermer la position et si jamais il essaye de venir taper en fait dedans, ben, ça va nous renforcer contre ça. Donc je suis plus fan de ce coup que d'un autre, on va dire. Ouais, et c'est exactement en gros l'idée. C'est que voilà, on va bloquer ici. Et alors là, déjà, il commence à naître quelque chose en fait de rien que cet échange. C'est-à-dire que tout de suite, vous voyez, là, ça m'a renforcé tellement que du coup, après, plus tard, c'est possible que je puisse jouer là. Peut-être. Bon, il pourra faire Atari, je connecte, pourra jouer là. Du coup, je coupe. Quand il fait Atari, je descends, je fais Atari. Ça marche pas trop bien. Mais il peut y avoir des choses si on commence par celui-là, ensuite celui-là, après, bon, voilà. Du coup, c'est très utile d'avoir comme ça. Bref, donc là, le coup, le premier qu'il faut réfléchir, c'est année. Et donc la première chose qu'il faut réfléchir, comme je dis toujours, c'est voilà, c'est année. Ensuite, c'est cross cut. Et donc si je cross cut, en gros, si cross cut, après, donc j'imagine, on peut tout de suite faire Atari. Il sort, je connecte. Il joue là, je peux jouer ici. Je joue là, bon, Atari. Puis après, il peut y avoir un énorme combat de fou, en gros. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. J'ai mis ça comme ça. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le, le plus joli, mais t'inquiète. Alors, je peux aussi jouer là, peut-être tout de suite. Si je joue là, il peut couper. Alors, si je joue là, du coup, il va vraiment devoir protéger. Ensuite, je prends la forme. Et ça peut le gêner un peu plus, je crois. Ouais. C'est vrai qu'on a envie de faire année tout de suite, mais là s'il coupe. Après, c'est vrai que je peux monter. Ça peut menacer, donc il joue là. Et est-ce que je peux jouer ce coup-là? Après, ça peut être ça le délire. Tac, 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 tac. Ouais, mais non, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Bon, je vais jouer une séquence peut-être un peu moche, mais au moins elle marche très bien celle-là. Voilà. Allez, on a envie en gros, mais je crois que c'est des séquences un peu longues, et là j'ai pas le temps en parlant et en réfléchissant, c'est un peu trop la galère pour moi. Voilà. Au moins avec ça, c'est vrai que ça renforce le blanc, mais en même temps ça me donne une forme plutôt parfaite. T'arrives pas à rejoindre la partie? C'est parce que si t'es. En fait, il faut être du même niveau, de la même classe de niveau. Moi je suis dans Coréa. Je sais que. Je vais changer un petit peu vite fait. Je suis dans Coréa 9Q1Q. Coréa 3, 9Q1Q. Il faut que tu arrives à y rentrer. Et ensuite, après, tu pourras. Bref. Donc, voilà. C'est ça. Donc.
Donc ici, quand il descend, il corrige un peu la faiblesse qu'il avait sur ses deux pierres, et en même temps, il peut menacer très fortement de faire le hané ici. Et si je coupe, fait atari, il recule, et donc vous, ça m'attaquait les pierres. Je pense que j'ai très envie de jouer là. Ce coup-là, en gros, il peut menacer le coup de contact ici après, donc je pense que quand je joue là, il est un peu obligé de jouer ici. Et ensuite, après, une fois qu'on est fort, on est plutôt assez solide. Peut-être on peut sortir. Et s'il sort, après on connecte. Je pense que c'est une idée. C'est mon idée en tout cas. Ok, magnifique. Je te vois pas dans la partie, mais bon. Ah d'accord, la violence. Toujours la violence. Bon ben on connecte. Ah c'est bon, je te vois, Tim. Et il connecte. Ah ok, d'accord. Ça me semble un poil overplay ça quand même, non? Ou pas. En fait j'ai très envie de jouer le coup de contact. Mais si... si il coupe ici. Je contacte, il monte, je joue là, il coupe. Ensuite je descends. Il descend. Ou alors après tu vas jouer là ici. Et du coup bon ça va menacer. Ah ouais, je pense que ça a l'air de marcher quand même. Je vois pas pourquoi ça serait problématique pour moi alors qu'il a un groupe super fort. Ouais, donc en plus il joue comme ça, donc au moins c'est réglé. Est-ce que je peux crosscut? Comme je vous le dis tout le temps, en fait en gros la première chose qu'il faut réfléchir. T'inquiète. On en reparlera à Loutoulou, t'inquiète. Donc du coup, là, la première chose qu'il faut réfléchir souvent à ce coup-là, c'est crosscut. Voilà, on fait aller, on réfléchit, on promet à ça, bon. Et c'est parce que s'il fait atari, du coup je peux faire contre atari. Voilà. Il prend, je prends. Ou alors on peut tout de suite commencer par là, mais là, si je commence tout de suite par là, il peut faire atari ici, je connecte, il connecte, et du coup c'est pas super. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Poil compliqué quand même. En fait, j'ai très envie de reculer ici, mais ça me semble un poil compliqué peut-être. Si je joue là en même temps, c'est un peu soumis. Si je joue là et qu'il joue ici, je peux faire ça. Si je joue là, il peut pas vraiment faire atari. Sinon, je peux faire contre atari. Imaginons, il prend la pierre, je peux jouer là et du coup, je tuerai les trois pierres. Du coup, si je joue là, il va tout simplement jouer ici, je pense. Et je recule et après, ça pourra le permettre de connecter par là. Et du coup, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est vrai qu'il reste plus que ce coup finalement. Non, en fait, c'est vrai, il faut jouer là. Il faut jouer là, je pense, c'est la forme. Voilà, donc en plus il peut jouer comme ça. Ah, il va jouer là tout de suite. Ça donne envie de jouer d'abord l'échange ici, mais s'il lance le coup, je prends. Il n'y a pas de menace sur la partie. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de menace, je pense. Bon, en plus il connecte, donc du coup je connecte. Et alors là, c'est marrant ce qui se passe, parce que si jamais, après il veut répondre par exemple par là, après je peux toujours jouer ici. Si jamais il descend, je prends la bonne forme et je tue ses pierres. Et si jamais quand je joue là, il joue ici, je connecte avec ça. D'accord, donc il joue un peu à ce à quoi je m'attends, il joue comme ça. Donc là maintenant qu'il s'est renforcé hyper bien, voilà, il a dû jouer ses échanges quand même. Mais là du coup ça me permet de pouvoir connecter ici. Salut Terkam. Là je pense que si je recule, il pousse, je bloque, il coupe. Et du coup c'est un peu chiant pour mes trois pierres ici. Par contre, peut-être je peux jouer de manière un peu plus légère. Et du coup je peux jouer ici tout de suite. Quand il va jouer là, je prends la forme. Quand il pousse, je peux jouer là. Quand il joue là, je fais atari. Et je sacrifie les deux pierres pour prendre une très bonne forme. Donc je vous montre. Parce que je sais pas s'il va le faire, hein, d'accord? Il doit pas le faire. Ok? Il devrait pas faire ça. Ah du coup il joue là. Du coup ce coup est un coup goté. Parce que vous voyez en fait, donc il est venu récupérer, enfin réparer la faiblesse que je vous expliquais ici. Par contre, en contrepartie, moi je peux jouer là sans état d'âme ou pas.
Ah ouais, peut-être pas sans état d'âme quand même. Quoique. Après, s'il répond pas, je joue là. Il joue ici. Ah, c'est compliqué. En fait, si je bloque là, après qu'il s'amuse à pousser, à couper, je pense pas que ça soit très méchant quand même. Après, je peux reculer, il recule. Je fais Atari. Et. Je fais Atari et je pousse. Et ça me semble un peu compliqué pour lui, donc je pense que je peux tourner là. Je pense que j'ai pas mal de liberté, donc. Ah d'accord, il va vraiment pousser le truc. Oh là 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 là. S'il me pousse, il me coupe, vraiment, je pense que c'est la séquence la plus violente. Ah, il fait Atari, d'accord. Ok. Je pourrais jouer là peut-être, hein. Ça peut... En fait, il faut toujours faire attention à pas répondre trop rapidement au jeu de go. Si je joue là, il y a une coupe franche. Alors que si je joue là, ici, après il peut couper là. Ah mais non, mais là ça va me faire perdre des libertés pour rien. Non, je pense que je dois jouer là pour gagner le maximum de liberté. Ah, il revient protéger ici. D'accord. Donc en fait, finalement, il choisit vraiment la voie pour vivre. Ok. Après, un coup que j'ai très très envie de jouer ici, c'est ça. Ça permet de lui mettre un maximum de pression dans le coin. Je pense pas qu'il va mourir, mais du coup, avec toute la force que j'ai emmagasinée ici, il va avoir du mal à se dépêtrer de ça. Bon. C'est vrai que j'ai une coupe là, ça peut être méchant, mais bon, c'est plus compliqué pour lui quand même dans cette situation. Ça. Alors, je préfère l'approcher, pas en Kema, mais l'approcher comme ça. Puisque si j'avais approché en Kema, il aurait pu taper dessus en Tobitsuke. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais, Shenblood. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais. Mais en tout cas, voilà. Il coupe tout de suite. Waouh! Ça m'impressionne. On est vraiment sur ta game, hein. Alors. Ah, N16. N16. N16, N16. Ah, N16, ok. Voilà, bon, l'idée en fait, en gros, c'est qu'il a coupé. Par contre, j'ai pu jouer le coup au 15 qui rajoute un maximum de pression, franchement, dans le coin. Je pense pas que. Enfin, ça va être très compliqué pour lui maintenant de faire quelque chose d'intéressant. Il sort la pierre. Maintenant, j'ai mon groupe là qui est pas vivant, c'est vrai. Mais j'ai le temps de sortir parce que j'ai pas trop de problèmes sur ce groupe là. Donc, on va dire que j'ai qu'un problème. Alors après la question c'est comment on sort. Vous voyez? La violence, hashtag la violence, c'est ça en fait quoi, c'est ta game, le mec il coupe en gros et après il verra ce qui se passe. Alors, comment on sort? Moi, ce qui me gêne des fois au jeu de go, c'est que j'ai pas envie de faire un coup. Enfin, la différence entre les niveaux, c'est aussi souvent vous allez juste faire un coup pour sortir et c'est tout. Et quand on change de niveau, souvent on essaye de chercher des suites en fait. Donc on joue, on veut, quitte à jouer un coup de protection, on essaye de faire des suites. En M11. Alors, je pense que tu veux dire. Ouais. Tu veux dire L11, j'imagine. Voilà. Ils sont pas si violents sur ta game. J'ai remarqué qu'ils te laissaient toujours un bord entier ici. Oh, et en gros, assez de points pour gagner la partie. C'est terrible. Bref, donc du coup, plus sérieusement. Est-ce que je peux faire un Tobi? Si je fais un Tobi, je pense qu'il va faire un Tobi. Et du coup, ma suite, elle est pas terrible en fait. C'est ça aussi le délire. Parce que j'aime bien avoir une suite un peu plus logique. Par exemple, si je mets un maximum de pression ici, je vois pas la raison non plus. C'est compliqué d'avoir une suite logique. Je pense que si je joue là, il va pas changer. En fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'il va sortir les deux pierres en Toby ici. La logique, en fait, je pense que quoi qu'il arrive, il va faire un Toby.
de plus sur ces deux pierres, vous voyez, parce que comme il est entouré, il va faire ça. Donc quitte à ce qu'il se fasse ça, moi j'ai plutôt envie de jouer loin en fait de son Tobi pour mieux m'approcher du groupe en haut à droite. C'est un peu mon idée, on va voir. K10. C'est un peu ça, ouais, voilà. C'est un peu l'idée. K10 pour mettre de la. Voilà, vous voyez en fait, hein, je joue K10 et en fait il joue de ce côté. Donc en fait il a pas joué le Tobi, mais il a sorti les deux pierres. Vous voyez, c'est quoi que je fasse, de toute façon il allait jouer comme ça. C'était logique. Mais en plus là c'est marrant parce qu'il joue un Kema, donc il a une forme pas solide du tout. Bon. Est-ce qu'il peut menacer quoi que ce soit ici? Si jamais en fait il joue un coup de contact, je pense que je peux jouer comme ça et là il peut vraiment même. Il peut même pas me couper, c'est ça le délire. Je peux pas non plus faire un Tobi, je pense, parce que sinon il va jouer là, il va jouer ici, et ça marchera pas très bien. Est-ce que je peux faire un Kema? Un Kema, ça peut être cool, peut-être. Parce qu'un Kema, dans cette situation, s'il fait un truc comme ça. Après, j'ai pas trop le temps de lire des tas et des tas de séquences là, vous voyez. S'il fait ça, je pense que je peux bloquer ici. Un Kema, j'ai. Je sais pas. Ah, c'est compliqué un Kema. En fait, il peut contact, il peut blow, il peut faire le coup de contact ici. Et c'est pas quelque chose d'évident, je trouve. Ah, c'est pas évident. Alors quoi? Mais j'ai quand même envie de me diriger vers le nord, je pense. Alors un Kusumi, peut-être pour être le maximum solide. Parce qu'un Kema, c'est un peu trop. Ouais. Un Tobi en fait c'est un peu trop volatile je trouve. Kusumi ça a plus de force pour moi déjà. En même temps s'il fait le coup de contact après là, ici, ah, c'est toujours un peu compliqué ça je trouve. Mais je crois que je pourrais jouer là, bon, je pense que ça va. Je pense que c'est bon. Ça ira, plus ou moins. En même temps, c'est intéressant en fait ce qui se passe là parce que si j'essaye de me projeter objectivement, c'est un peu difficile hein, l'exercice, hein, c'est-à-dire que je dois rentrer dedans et ressortir pour vous parler. Même contre un 3Q, vous voyez, l'exercice il n'est pas si simple que ça. Ce que je veux dire, en gros, c'est que même contre un joueur qui est apparemment beaucoup plus faible que moi, on peut vraiment se prendre la tête. Enfin, c'est-à-dire, on peut vraiment chercher et chercher des trucs en fait au jeu de Go, quel que soit le niveau de l'adversaire, en gros quoi. Quand vous jouez contre quelqu'un, il y a toujours matière à réfléchir en fait, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok. Voilà, j'ai plutôt joué la bonne forme de ce sens-là. Et il avait raison. Ah bon. Bon, finalement, comme vous pouvez le constater, il a réussi plus ou moins en fait à trouver une base de vie là, mais par contre, il m'a renforcé tout le groupe ici. Donc, soit, 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 soit. Qu'est-ce que je joue dans cette situation? C'est une très bonne question. Bon, pour l'instant, regardez, hein, il a fait un groupe. Ouais, c'est vrai qu'il a fait quelques points ici dans cette zone-là. Là, il a fait quasiment que deux jeux. Là, il n'est pas du tout vivant. Moi j'ai un groupe ici qui sort en fait. Il sort, ça va. Là j'ai un groupe qui est pas tout à fait vivant, ça c'est vrai, il faut ajouter un coup. Hein. Là il y a pas de... là c'est sûr et certain. Par contre quel coup on ajoute? Ça c'est une autre question. C'est pas une question facile. De base en fait j'ai envie de jouer le coup standard, c'est-à-dire l'extension 3 sur 3ème mine pour trouver la base de vie. Ça marche pas, Sansan. Sansan, en fait, je pense que c'est compliqué. Il va descendre et si j'arrive pas à faire quelque chose dans le coin, et quand il descend, je vais perdre quelque chose. J16 ou C6? Alors, J16. J16. Ouais, J16 ou C6. C6. C6, c'est très gros, mais. C6, c'est très gros, mais en fait, il faut que je. Là, je suis pas vivant, c'est la base de vie. Donc il faut ajouter un coup. Et en fait, je pense que. Alors, pas J16 peut-être. J16, ce qui m'inquiète, c'est que je suis un peu trop ouvert. J'ai quand même envie de jouer la base de vie. Donc, jouer solide. Bon, du coup, je la joue très standard, je pense. Hein. J'ai pas trop le temps de réfléchir à des coups très.
très transcendant. Alors, et du coup, bon, il sort son groupe là, ce qui est plutôt évident. Ce qui est plutôt évident. Overtime countdown has begun. Ouais, ce qui devait arriver arriva, je suis en biodomie. Alors. Alors de base, j'ai quand même plutôt envie de. Ouais, j'ai envie de défendre ici, c'est très gros, ça me donne beaucoup de points. Donc là, j'ai quoi? J'ai quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, je me compte à peu près 19 points, on va dire 20. Entre 19 et. Ouais, 19, 20. Ok, donc il joue là. Et en jouant là, je pense qu'il réveille quelques petites faiblesses par là quand même. Hein. C'est pas négligeable. Si jamais je réponds pas qu'il joue là, je fais année. Il avance. Et là, c'est compliqué. Je peux me faire couper. J'ai pas le temps de lire en fait plus loin. J'aimerais. Par contre, si je joue 9, là. 8, 7, 6, 5, 4. Je pense que s'il recule, c'est pas synthé. Je me suis en train de me tromper en fait. Il a peut-être été soudit par en plat. De toute manière, il n'a pas reculé. C'est magnifique. Je pense que là, ça marche pas ces trucs-là. Même s'il avait joué là, est-ce que ça marchait? Ah là, ça aurait pu marcher. Ah ouais, ça marchait pas très bien en fait s'il reculait. Bon, en même temps, après, j'aurais pu rajouter un coup. Il aurait dû jouer là. Ouais, bon. Discutable. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. 2 overtimes left. J'ai envie de pousser ici, mais il va juste bloquer. Ça sert pas à grand chose de faire cet échange. C'est vrai qu'après, j'ai envie de contacter là, peut-être. Si je contacte là. Ah, il est un peu dans la merde, en fait, je pense, 9, ici. 8, 7, ah, ça donne très 6, très envie. 5. 4, 3, 2. Je pense que c'est pas terrible pour lui là. J'aurais pu le faire plus tôt finalement. Ah, du coup, ça fait quand même Atari là. J'ai pas lu. Mais je pense que ça va donner un chichou à deux libertés. Voilà, là, là, là. Il est un poil fort, je vais baisser. Je vais baisser du coup le son audio. Vous me direz en fait. Ouais, bon, ça, là ça marche pas du coup, hein. Je sais pas si tout le monde a compris, mais je vais attendre en fait pour vous me dites en fait 9, si c'est trop fort ou pas. 8, ouais, j'ai 7, baissé un petit peu. 6, 5, dites-moi si c'est 4, trop fort ou pas. 3, 2. Je rebaisse ou pas. Bon, du coup, je suis en train de faire deux choses en même temps. Je suis en train de tuer mon adversaire et en même temps de vous demander si le son il va bien. Bien sûr. Continue. Par nous, tue l'adversaire, il n'y a pas de problème, on passe un bon moment. Mon Dieu, il a même joué là. Le pauvre. Ah, il a poussé la séquence jusqu'au bout en fait. C'est vraiment dingue pour moi de voir ça, je vous le dis, hein, c'est jusqu'au bout en fait quoi. C'est-à-dire qu'il a même pas réfléchi alors qu'il avait le temps, il a 16 minutes pour jouer mon adversaire. Il a 16 minutes, il prend même pas le temps de vérifier quoi. C'est-à-dire direct quoi, je comprends pas. Ne jouez jamais comme ça. C'est pas possible. Bon bah là on joue dans l'œil d'éléphant, hein. Genre, il me dit joue dans mon œil d'éléphant. Donc on joue dans son œil d'éléphant. Ça me paraît logique. Ouais, apparemment. Apparemment, on comprend pas. Apparemment. Bon, là. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alors ça, c'est une sorte de coup de forme, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que s'il pousse ici, je peux pousser là. S'il joue là, je peux jouer là. Et vous voyez, ça fermerait toute sa zone-là. Bon, alors je dis pas qu'il va mourir, en fait. Finalement, ma stratégie est pas si bonne. Parce que, finalement, même si je le coupe, il peut vivre. Mais bon, si je coupe le centre, c'est intéressant quand même. Bref. Donc là, on va défendre le coin. Et puis on va défendre le coin.
Et puis. Alors attendez, faut que j'en fasse ça. Il t'a donné 8 pierres et bien renforcé, c'est ça? Question, il abandonne quand? Ouais, là c'est un peu dur. Bon, j'ai très envie de jouer là. Et la partie est un peu terminée là, c'est clair quand même. Je joue dans la forme. Alors là, il peut me couper, mais à chaque fois qu'il me coupera, ça sera goûté. Du coup, j'ai très envie de le fermer dans cette situation. Qu'est-ce qu'on joue ici? J'ai pas envie qu'il y ait de co. Comme je suis en avance, j'ai pas trop envie. Ouais, bah, encore une fois, c'est Alou Toulou qui m'a fait ça. Donc, encore merci à lui. Ça te fait de la super pub, Alou Toulou, franchement. Tout le monde adore ce que tu fais, super. Sais pas si t'es là encore. Alors. Hop là. Oui. Alors là. Que faire? 9, 8, 7, J'ai très envie de jouer ce 6, coup, mais il fonctionne pas 5, du tout, je crois. 4, 3. Alors, je le joue quand même. Vous avez compris la manière de jouer au jeu de go? C'est quand vous croyez qu'un coup marche pas, il faut quand même le jouer. La pédagogie façon Camille. En fait, j'abuse. Mais c'est rigolo. Je vous explique. J'ai très envie de jouer comme ça. Oh mon Dieu, il a fait un travers, Toby. J'écouterai plus jamais les conseils de Thérapie. Alors, c'était pas du tout prévu en fait qu'il bloque ici. Normalement, il aurait dû connecter là. Et ensuite, je poussais ici. Et peut-être, il était obligé de vivre. Je pense qu'il vivait, franchement, il vivait ici. C'est un peu du bluff. Si j'étais au poker, je serais vraiment un gros bluffeur. Mais du coup, il a Nine, flippé pour la vie de eight, son groupe. Alors, c'est trop seven. drôle en fait ce qui se passe. Du coup, est-ce que je connecte? Oh mon Dieu. Bon, on va pas le tuer, hein, d'accord? Je sais même pas si c'est possible, mais on va pas chercher. On va juste le réduire comme ça. On va réduire l'espace. Et je pense que là, il est pratiquement vivant. Ou pas. Je sais pas. Mon Dieu. What? Attends, il peut vivre? Ah oui, non, mais il peut vivre là, il va jouer là, d'accord. Ah ben non. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, mais c'est pas. En fait, il pouvait vivre en jouant là. Bon, d'accord, ok, il me coupe. Il pouvait vivre s'il joue là. Mais là, maintenant. Maintenant, ça marche pas. Oh mon Dieu, il est même mort ici. Je vous jure qu'il pouvait vivre. Je vous jure que j'ai pas voulu le tuer. C'est faux. Mais regardez! C'est lui, c'est pas moi. Il réfléchit pas. Il a 16 minutes pour réfléchir. Il ne prend pas le temps. Et en plus, il prend la pierre. Là là. C'est. On est d'accord, je n'ai pas du tout voulu le tuer. J'y suis pour rien. C'est Nine, ça. eight, C'est pas ma seven, faute. six, five, four, three, two, one. Mon Dieu. Bah oui, bien sûr que c'est du sandbagging, je sais bien, mais du coup, tu peux couper en J7. J7. Non.
Ça marche pas puisque du coup il fait Atari et après je joue là. Ah d'accord, du coup il va essayer de faire quelque chose ici. Il est malin. Il est malin. Je vais pas prendre de risque. Et je vais jouer. C'est ça. D'accord, donc il est en train de tenter le tout pour le tout, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Il se passe quoi là? Mais non, mais ça peut pas marcher, ça, c'est pas possible. J'ai beaucoup trop de liberté. Bon, là, ce qu'il est en train de tester, c'est pas con, hein, d'accord. C'est en soi, il a raison d'essayer de faire ce qu'il fait. Ça, c'est même pas un CMI pour moi. C'est s'appelle une formalité. Mais parce que j'ai beaucoup de liberté. En fait, s'il suffit de voir une, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est nimp. C'est nimp. Je peux même jouer là, je pense. Oui. Alors c'est quoi la manière la plus rapide de tuer mon adversaire? Je pense qu'on va tourner ici. C'est une blague, hein, d'accord. Petite boutade. Je pense que je vais jouer là. Et ah, c'est marrant ça. Ou pas. Ce coup est. En fait, je vais faire de la merde si je continue. Faut que je fasse gaffe. Bon, si je joue là, alors dans ce cas-là. Ah, je peux presque me faire couper là, mais c'est pas très grave. Ouais, bon, c'était pas une très très bonne idée. D'accord. Bon, allez. D'accord. Je connais quelques techniques. Bon là c'est plutôt facile, hein. Si je réponds pas, il joue là. Je joue là. Il joue là. Je joue là. Ou alors plutôt. Genre bon, ouais. Il joue là. Je joue là. Il joue là. Je joue là. Il joue là. Je joue là. En gros je peux passer 10 fois. À peu près. Et en plus il y a un co. Et en plus bon, il peut pas approcher par là. Enfin bref. C'est assez magnifique. 9, 8, 7, 6. D'accord. Ils sont prêts à se faire Araikiri sur le plateau à chaque fois, quoi. Si c'est ça le problème sur Tail Game, c'est que ils ont aucune, je sais pas. On va pas me dire que tout le monde, tous les joueurs 3Q sont comme ça. En fait, ils sont juste pas bons. C'est moi, en fait, qui. Non, 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 non. Alors. 9, 8, 7, 6, 5. Je pense que juste en jouant là, ça suffit. Oh mon dieu, mais c'est pas vrai! Mais non, mais. Voilà! Et qu'est-ce qui se passe là, Camille? Bon, il est juste mort. Hein. Il est juste mort. Assez magnifique, ça dépend comment tu vois les choses. Hein. Bon. Mais en même temps, c'est sa faute. Regardez ce qui se passe là encore. Il y a un co, il va mourir ici. Oh mon dieu. Mais j'ai rien. En fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de continuer à jouer normalement. Ouais, j'ai. Je devrais pas. Normalement, il est censé abandonner, on passe à autre Nine, chose, on n'est pas censé eight, faire ça, en seven, gros. Vous voyez ce que je veux six, dire? five, four, three, two,
Ouais. On va faire un truc. On va faire un truc. Le premier qui me dit une coordonnée. Non, on va peut-être pas faire ça en fait, finalement. J'allais dire, le... vous me donnez les coordonnées et je les joue. Mais on va peut-être pas faire. On va peut-être pas faire ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Il y en a qui pourront trop en abuser. Ah, fais ça. D'accord. Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai. C'est drôle ça ou pas? Si je joue là, Kiko, je joue là. Ensuite, tu joues ici. Ah mais je peux descendre. Ah d'accord. 9, 8. Mon Dieu, mais pourquoi? Je devrais couper. Normalement, si c'était une vidéo YouTube, je couperais la vidéo. Vous comprenez? Elle serait terminée. J'aurais tapé dans les mains et on serait passé une nouvelle vidéo. Enfin, une nouvelle partie. Mais là, on est en live. Alors, du coup, c'est pas drôle. Ouais, il y a un décalage, c'est normal. Sur ta game, il y a toujours entre 10 et 20 secondes de décalage. Ça, c'est normal, Étienne. Bon. Allez. Ah ouais, mais c'est vrai que je peux proposer le comptage. J'avais oublié. Peut-être faire ça. Mais il acceptera jamais, de toute façon, mais bon. Allez. En fait, s'il accepte pas, c'est ça que je comprends pas aussi. Donc en fait, c'est une requête de comptage. Ouais, c'est ça que je comprends pas, vous comprenez, tu vois, c'est. On peut tomber vraiment sur n'importe qui sur internet, je pense. Et je pense que n'importe qui peut vraiment vous miner l'esprit aussi. Moi, ça me va parce que c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes 3Q vous-même, vous comprenez, ça peut être assez chiant. Parce que. Je pense qu'il sait qu'il a perdu. Je lui propose de compter la partie pour terminer et il refuse. Pourquoi? C'est quoi le truc? Il rage tellement qu'il ne veut même pas abandonner. J'ai du mal à comprendre. Faut quand même que je fasse un poil attention, mais je pense que c'est bon. Hein. Il peut être n'importe quoi. Être. Être ou ne pas être n'importe quoi? Telle est la question. Je pense que je vais le couper tout de suite, sinon il va chercher à mort des trucs. Si je joue là, c'est bon, Nine, juste que je vérifie un peu eight, quand même. seven, six, five, four, Je sais pas en three, fait. two, one, zero. Tout of a machin. Alors, là. Après, je joue dedans. Je fais Atari. Il joue là. Je prends. Je fais Atari. Je joue là. Bon, vas-y, ça m'a saoulé. Là. J'ai pas envie de. Je crois que ça marche pour moi, mais bon. Non, non, mais t'inquiète. C'est juste que c'est un peu chiant en fait. C'est vrai quoi. C'est pour vous aussi que je dis ça. Mais vous savez que ça, on peut tomber sur un joueur comme ça, quel que soit le niveau, hein, soit parce qu'il est 3Q qui fait ça, d'accord? C'est un truc que j'aimerais bien dire à tout le monde. Souvent, il y a des gens qui me disent, The ouais, last tu overtime. fais exprès Nine, de claquer tes eight, adversaires et tout pour seven. te faire mousser. Mais non, enfin, je veux dire, il y a des joueurs 3 Dan qui ont aussi ce comportement. Le comportement du,
je joue comme ça. Vous voyez, donc c'est, ça vient pas vraiment, je pense que ça vient de lui en fait, hein. Ça vient pas seulement du fait que. Pas pourquoi je joue là. Ça vient pas seulement du fait qu'il est 3Q. Ça vient du fait qu'il est rage, il est comme ça quoi. C'est un peu dommage, mais bon. Un peu dommage parce qu'il pousse, il pousse, il pousse la partie pour rien en fait quoi. J'ai quoi dans la main? Fais du pen spinning en fait depuis que je suis. Donc j'ai toujours ce stylo. Demandez à The Gagnard, il le sait. Alors. Même jouer là. C'est ça. Ça fait du bien aussi de temps en temps, ouais, bon, vite fait quand même. Enfin, ça fait du bien, je sais pas pour qui ça fait du bien, mais. Ah. Tu me montreras tes skills en fait, Finblood alors. Finblood. Bon. Il fait quoi? Il a poussé jusqu'à la nuit des temps ou quoi? Ah, mais regardez ce qu'il fait là en fait, ouais. J'avoue, je m'amuse un peu avec lui, mais. C'est juste qu'il cherche même pas à lire en fait, en gros quoi. Je pense qu'il prie. S'il te plaît, laisse-moi gagner. En fait, si ça tenait qu'à moi, franchement, j'abandonnerais la partie. Vous savez, c'est pas très grave en soi. Regardez, on va faire un truc. S'il y a 5 personnes qui me disent vas-y, abandonne, c'est pas grave. Comme ça, on passe à autre chose, je le fais. Il y en a 5. Moi, ça me fait rien en fait, en gros quoi. C'est juste pour qu'on fasse autre chose. Ah, vous avez carrément dit d'abandonner en fait quoi. C'est encore mieux évidemment. Du coup, vous avez carrément demandé à mon adversaire d'abandonner. Mais franchement, fallait faire ça depuis le début les gars. Je vous demande. Là. C'est ça. Bon bah c'est bon. Aïe aïe aïe. Bon, on a combien de temps là pour le live, je vais voir. You have been invited. 1h14. Oui, alors il y a Squeezie qui me demande une partie. Je me demande qui c'est. C'est bizarre, je suis quasiment sûr de savoir quand même. N'est-ce pas, Super Pingu? Enfin bref. Bon, voilà. Je pense pas que je vais continuer en fait là. Bon. On va s'arrêter là. Ça marche? C'est un peu chiant, ouais. On finit peut-être pas sur une bonne note, j'avoue. Ou pas. Enfin, je sais pas. Peut-être que je reprends une partie encore. Vas-y, on va faire ça. S'il y a 5 personnes qui me disent encore une autre partie, je refais une autre partie. Je veux pas du tout. Je suis pas du tout manipulateur, c'est pas vrai. 1. 2. 3. 4 et 5, waouh! 6, 7, quoi, je suis obligé, mince, oh là là, vous m'avez forcé, hein! Ah, mais un commentaire, il faut une partie pour ça. Non, arrête! Ah merde, je suis obligé d'arrêter. Bon, ok, c'est parfait, allez, une autre partie. Ah, là. Je fais une petite pause. On reprend à 22h45. Ça marche les gars? Je fais une petite pause, juste laissez-moi juste me reposer pendant 5 petites minutes. Je laisse le live actif et je reviens. Ça marche? À tout de suite. The game has started. Ok, c'est parti. Donc je suis blanc, mon adversaire est noir. Magnifique. Allez. Non. Jamais. Pas qu'on tienne. Alors, mon adversaire commence par un coup non poli. Normalement, on est censé commencer en haut à droite, mais il commence en bas à droite. C'est pas très poli quand même, hein. Alors, voilà, c'est une sorte de tradition au jeu de Go, on est censé commencer en haut à droite. Bref. Donc, mon adversaire approche comme ça. Alors, un coup que j'aime très souvent jouer en ce moment, c'est la pince haute et large. Comme je fais des recherches un petit peu, je sais qui joue ça. Ok.
Dans cette situation, c'est pas super, je crois, juste de faire ça, parce que ma pierre est... Si elle était basse, ici à cet endroit-là, ça serait légitime de jouer ce coup. Mais alors, dans cette situation, je suis pas très sûr, quand même. Alors, ça, c'est un peu... Bon, je sais pas que c'est étrange, mais... Mais comment on répond? On n'a pas envie de répondre comme ça fait un peu mou comme coup. Je pense que j'ai plutôt envie de jouer une extension. Est-ce que d'abord je pousse ici? Vois pas trop à quoi ça me servirait de pousser un coup de plus avant de faire l'extension. Surtout que si jamais je le fais pas, que lui l'effet qu'il joue là, ça va me donner une position assez solide ici, donc ça va. Chiant. Si je joue là, bon, il peut presque faire le Tobi, c'est un peu gênant, j'ai pas envie de lui donner ce coup. On va t'exemple tout de suite. Voilà. Ah, tu trouves? Tu trouves? Peut-être. Bon, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai dit, mais bon. Ah, ok, il joue comme ça. Oh là là. C'est pas beau. Mais il va finir rigoter là? Oh là 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 là. Ça part déjà mal, je trouve, mais bon. Ça part de là dans sur un quelque chose qui est que il a deux lignes, nous comme ça, deux pierres et. Ok. Bon, après j'imagine qu'il peut pincer ici, hein, c'est vrai, hein. Ça veut pas dire qu'il faut rajouter un coup au nord. Hein. Alors. Je pense qu'on va jouer dans l'endroit le plus large du plateau, c'est-à-dire celui-ci à gauche. C'est vraiment l'endroit où j'ai une pierre blanche, ou l'endroit le plus large, c'est ici. Ah, j'aurais dû jouer contre Squeezie. Mince alors, j'ai raté ma chance de jouer contre un super youtubeur. Quel dommage. Alors, il a pas répondu. Oh là là, mais ça c'est bizarre aussi, mais pourquoi il répond pas en fait quoi? Pourquoi jouer? En plus il répond pas, enfin qui est, enfin no gamma. J'ai envie de jouer ici. En gros, dans cette situation, vous allez voir. Bon, je vais jouer là. Je vais. Bah, décidément, vraiment, il joue bizarrement celui-là aussi. Oh là là. Non mais je pense en fait qu'à cette heure-là de la nuit, imaginez-vous, pour les Chinois ou les Coréens là, c'est quelle heure? C'est 5h du matin, 6h du matin. Ouais, il reste quoi comme genre de joueur à cette heure-là, les gars? Alors. Bon, je pense que dans cette situation, on a très très envie de jouer ce coup parce que ça ferme bien le noir. Ça permet d'entourer bien le coin comme il faut. Ouf. Je vais plutôt jouer comme ça. Ça permet d'être solide et au pire, il peut y avoir un chichot, mais c'est pas très grave. En gros, ce chichot. L'or où ils ont picolé, par exemple, aussi. C'est vrai, où ils sont bourrés. Ah, c'est vrai, tout le monde dit la même chose en fait, quoi. Le go guérit la culte, c'est connu. Oui, bien sûr. C'est plus 8 ou 9, ça ressemble à un dur réveil ou de mauvais pieds. C'est ça. C'est ça, c'est 8 ou 9 heures en Corée? 8 ou 9 heures, ça va, hein. Regarde, c'est vendredi. Bon, en même temps, bon. Imaginons que c'est un jeune qui est en vacances. Y a pas moyen. Pas de raison qu'il soit pas frais, quoi. Bref. Anyway. Bon, j'ai très envie de jouer sur le bord ici maintenant. Alors là, je trouverais que ça s'est un peu surconcentré par rapport au mur que j'ai là, donc je vais aller un poil plus loin. Voilà, je trouve que ça fait une bonne extension, là, c'est bien harmonieux avec le plateau. Ah ok, donc 5h30 à Séoul. Parce que là, je joue contre un Coréen en ce moment. C'est pour ça que je demande ça. Bon, il joue vraiment de manière bizarre encore. Pourquoi il se concentre en fait sur ce truc-là, quoi. Mais comme si que c'était vraiment là que ça se joue la partie. Incroyable quand même. Hein. Alors,
Bah tiens, bah moi aussi je vais faire un Ogema. Elle parle pour toi, hein. Alors, il joue là. Du coup, on va. Normalement, on est censé l'envoyer vers notre force. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse considérer ça tout à fait comme une force, hein. Mais j'ai pas non plus envie de l'envoyer. J'avais pas non plus envie de l'envoyer de l'autre côté. Bon, ben voilà. Comme ça, d'accord. Ensuite, j'ai bien envie de faire Atari. Ok. Est-ce que si je joue là, il joue là, joue là, joue là, 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 là. Ouais, il peut même jouer là, attends. Faut lire. Tourne. Là, année, là, là, là. Ensuite, il coupe, je fais Atari. Je fais Atari, puis je joue là. Puis je descends. Ah, ça m'a l'air presque intéressant. Presque. Et dans le pire des cas, je parlais de pierre ici, ce qui serait pas très grave à mon avis. Ils sont peut-être impressionnés par mes 20 victoires d'affilée, tu crois? On devrait pouvoir cacher tout ça, des fois, je me dis au jeu de go. Je sais pas si j'ai bien lu les gens, hein, mais. Y a des chances que non. Je sais pas. Ça a l'air de marcher, de mon point de vue. Non? Je vais même jouer là, non? Ça va plus vite? Oh mon dieu. Je vous jure en fait, quoi. Il a poussé là, encore une fois. C'est le même adversaire en fait, quoi. C'est pas possible. C'est pas moi qui joue super bien. Vous comprenez en fait la délire? Je vous jure que si je joue contre n'importe quel 3Q d'ici, que vous jouez contre moi, enfin en même temps, je sais pas, si vous êtes au courant de mon niveau, ça va peut-être changer des choses, je dis pas, mais. C'est même pas sainteté en fait en soi, ça c'est marrant parce que si jamais je joue là, je peux jouer là, ça fait. Je perds juste deux pierres. Mais on va répondre, allez. On va devoir jouer des parties jusqu'à qu'on trouve un adversaire. Du coup, ça va finir. Je vais finir sur FoxGo à jouer avec mon compte 5 Dan, en fait, je pense. Ça va finir comme ça. C'est où je vais perdre et je vais me faire rétamer et on va finir sur une mauvaise note, quoi qu'il arrive, peut-être. Allez, allez. Alors, oui. Bien sûr. C'est très connu, cette invasion. C'est faux. Ok. Voilà. Comment se faire un groupe faible? Étape numéro 1. Entrer le plus profond possible dans une zone extrêmement hostile. En fait, c'est un peu chiant, en gros, là, parce que du coup, là, je parle pas trop, en fait, sur la partie, ce que je joue, mais. Mais voilà quoi. Ah, j'ai quelques faiblesses, non? J'ai quelques faiblesses. Si je joue là, qui coupe ici, je peux faire Atari, je joue là, là, est-ce que ça marche? Parce que si ça marche, ça va être un peu compliqué pour lui, peut-être. Pour faire un gros centre. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je peux jouer là? En fait, bon, moi, je m'inquiète de ça. Je peux faire Atari, du coup, il descend. Du coup je joue là. Du coup quand il descend je joue là. Et je pense que c'est bon. Vérifions sans vous montrer avec la souris. 1, 2, 3, là. Il va pousser là, là, là. Ouais, ça a l'air d'être super bon. Hein. J'ai perdu ma dernière partie de 0,5 points. Ah, désolé. Mes condoléances. Non, ça veut dire. Faut pas dire ça. C'est. Perte de 0,5, c'est très bien dans un sens. Dans le sens où ça veut dire que c'est une partie serrée. Ça veut dire que t'as joué. Enfin, si vous avez donné votre maximum tous les deux, c'est une super partie en soi. Ça arrive et c'est pas grave.
T'as peut-être joué contre un adversaire qui était plutôt proche de ton niveau, peut-être. Bon, là, du coup, ça donne envie de. Bah, de le fermer complètement, hein. Si vous avez des questions sur des coups, n'hésitez pas parce que là je sais pas trop quoi dire. Parce que mon adversaire joue de manière assez ouf. Et finalement, ça va marcher mon truc ou pas là? Ça va pas marcher du tout. Ah si, ça va marcher. Oh là là, ça marche? Mais non. Ah mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Y en a qui aura la partie ou... Non, je sais pas. Bien sûr que vous regardez, mais... Mais what? Non? Non, vous comprenez? J'avais pas vérifié à 100%, mais en fait je me disais dans le pire des cas, je sacrifiais les deux pierres ici, il était toujours pas vivant. C'était ma plus ou moins une sorte de stratégie. Je sens arriver le... J'ai pas fait exprès. Vous trouvez que j'ai joué... En fait, si vous trouvez que je joue des coups abusifs, dites-le moi, parce que je trouve pas que je joue de coups abusifs en fait, quoi. Pour moi, mes coups, c'est pas des coups abusifs, c'est pas des coups genre violents, méchants, sévères. Bah, c'est juste un Toby. Un sorti. Je sais pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire en gros quoi? C'est. Bah, c'est ça en fait, encore une fois. Il fait beau dehors quand même. Et t'habites où? T'habites dans un autre endroit du monde où il fait jour là, parce que nous il fait nuit, hein. Bon. Mon Dieu. C'est grave, docteur? Oui, vous êtes mort. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il a plus rien. Hein. Il a en bas à gauche, il a un peu en bas à droite. Même s'il développe le sud, c'est fini. Donc Ah bah oui, voilà. Désolé, hein. Non, mais là, il faut juste refaire une autre partie encore. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, je pense que je comprends. Mais ouais, non, mais ça va. C'est pas super ça. Je veux jouer là et Toby. Donc. Donc c'est bon. Non. Ou alors j'arrête de jouer sur ta game, en effet. Ça peut être un choix aussi, hein, franchement. Alors là, attendez, là c'est marrant parce que si jamais je joue là, il peut pousse coupe tout de suite. Et s'il pousse et qu'il coupe. Fait Atari, je connecte et il est mort ou pas? C'est une très très bonne question. Eh bien, je crois que oui.
pense que ça marche. Blanc, noir. Blanc, noir, blanc. Noir. Blanc, noir, blanc, noir. Ça, ça a l'air de me fonctionner en haut, quoi. Yep, salut Calabar. Ah non, mais il va couper ici. Mais ensuite, je peux faire Atari là, Atari là. Ou alors, si je joue là, en fait, il va jouer là, je joue là. Je fais donc Atari ici, je joue là, Atari ici. Ça a l'air de marcher, je sais pas, je me suis peut-être planté. H4. Je sais pas. Alors attends. Là, si j'ai bien calculé mon coup, normalement ça marche. Hein. Il peut pas pousse-coupe. Il peut faire ça. Ça marche pas non plus. Bon bah regardez. Alors, quel est le dessous-dit ici dans cette situation? Allez, comme ça on va vous faire réfléchir un petit peu. Alors, blanc joue et tue le noir. Pour ceux qui ont vu direct, bah pour ceux qui ont vu tout de suite, enfin laisser réfléchir les autres d'abord, peut-être. Enfin, du coup, non, ça n'a aucun sens de dire ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Throw-in, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Oui, 3. Ou voilà, ou tout ce que vous voulez. Eh oui. En gros, en jouant dedans, voilà, ça lui retire des libertés. Et c'est fini. Quand il va prendre, je joue là, ben je joue là, je joue là. Bon. En fait, grâce à la liberté ici en F3, il y a quasiment toutes les séquences qui fonctionnent pour blanc. C'est assez ouf. Ça t'intéresse tellement pas. Tu t'ennuies tellement Super Bingo que tu trolls en fait, je t'aime. Tu crois que je te connais pas quoi. Aïe aïe. Bon, c'est vrai que là j'avoue. D'accord, ok, je vois. Ah, c'est souvent des situations qui peuvent arriver très très vite et il faut souvent bien voir le dessous-dit pour réduire les libertés de l'adversaire. C'est ça, mais bon, que veux-tu? Ça, j'aurais tellement dû. Mais c'est un petit troll ce Squeezie, donc faut faire attention aussi. Bon, je vais peut-être lui proposer le comptage après au prochain coup, mais bon. Il va pas accepter aussi si c'est le même genre d'adversaire que tout à l'heure. Mais là, il prend beaucoup de temps quand même, je trouve. Évidemment. Ok. Ce soir, oui, il y a beaucoup de pierres mortes là, j'avoue. D'ailleurs, je vais regarder combien il me reste de. Combien il me reste de parties à gagner pour passer pour changer de level. Il m'en reste 3 pour me prendre un level et 7 pour prendre 2 levels. Peut-être qu'au niveau premier coup, ce sera encore plus intéressant, mais bon. En fait, l'idée c'est qu'au bout d'un moment, enfin, je sais pas si c'est plus intéressant ou pas. Soirée sixième sens, ouais. Oh my god! C'est ça. Bon, ben. Je sais pas si
sais pas si t'avais des questions en fait précisément, mais j'ai pas, voilà, bon, j'ai pas joué trop, enfin j'ai tué beaucoup, mais en soi mes adversaires font un peu n'importe quoi, donc c'est pas super cool. Ah là là. Alors. Bref, je pense qu'on va terminer ici. De toute façon, là, je commence un peu à fatiguer. 23h10. Je commence vraiment à fatiguer, donc je vais vous laisser, les gens. Ah, attends. Ah, ok, là, toi, je te réponds plus, mais bon. Squeezie, la prochaine fois, bien sûr. La prochaine fois, je joue contre Squeezie. Bon, allez, du coup, je vous laisse, les gens. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé, c'était chouette. On a été pas mal finalement là, on a fini à 27 je crois à un moment, c'est ce que j'ai vu, 27, 26, un truc comme ça. J'ai pas tout le temps regardé les statistiques comme j'ai arrêté de les afficher parce que ça fait moche. Donc du coup je regardais de temps en temps sur le navigateur. Donc du coup en tout cas merci tout le monde d'avoir été là et puis on se dit sur Discord pour ceux qui sont sur Discord et à la prochaine pour un autre live. Voilà, à demain sûrement. Ciao ciao, salut.